Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on est sur la chaîne secondaire pour découvrir le tout dernier trailer de The Day Before, le final trailer. Et ouais, ça fait déjà 2 ans que je vous avais fait la réaction à la première vidéo. Et là, apparemment, il est de retour. Donc, je vais me remettre en petit. Attendez, non, je suis plus en direct. Voilà, on se remet en direct. On met en plein écran. Il a eu plein de problèmes. Il a changé de nom. Maintenant, il revient The Day Before. Apparemment, ils ont gagné le combat. Et normalement, il doit sortir le 10 novembre. The Day Before offers a uniquely reimagined journey into post-apocalyptic MMO open world survival. Artfully developed by Fantastic and brought to you by the publisher Mytona. The open world of The Day Before is beautiful and richly detailed. Set in the present day on the US East Coast, following a deadly pandemic. The game begins after you are rescued by the survivors of the Woodbury Colony, your new refuge and safe home. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. But first, you will create your unique character. Select a personality, choose a gender, and customize every detail, immersing yourself in our vision of post-apocalyptic America. Woodbury survivors are working to rebuild the community, constantly needing supplies, building materials, and various items. Your main task is to bring as much valuable loot as possible. And in return, you'll be rewarded with the local currency known as Woodbury Coins. Who the hell needs your junk? Keep track of your health, hunger, and thirst indicators. And remember, dangers are everywhere here, ranging from the vicious infected to other players who are ready to take everything from you. We've designed survival in this world to be a thrilling experience. The weapons, which can be modified, are made with maximum realism to ensure that combat remains deep and engaging at all times. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Completing various community tasks also presents an opportunity to earn Woodbury coins. Well, well, who do I see here? How's it going, my friends? Woodbury coins can be exchanged for ammo, from regular to armor-piercing, weapons, protective equipment, backpacks, food, drinks, and medicines. La nourriture, c'est le truc le mieux fait du jeu visuel. Spa access to relax, and a gym to work out. Safeguard your accumulated items by storing them in secure storage. Exchange Woodbury coins for cars to swiftly collect loot and access distant, hard-to-reach locations. Ah, le retour de la petite maison dans les bois. Where you can purchase and upgrade houses, as well as install furniture and decorations. Vous pouvez mettre de la décoration et des équipements, vu qu'il n'y a pas les sous-titres. Ouais. Donc vue première personne, vue troisième personne. Safe oasis amidst the post-apocalyptic chaos. Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO open world survival games like never before. Immerse yourself in the day before. C'est fini. The day before, early access December 7. Ok, bon, on va remettre, c'est fini, on va remettre en arrière au début et on va vite fait parler de ce qu'on a vu pour le moment. La vidéo, c'est sur la chaîne officielle, mais c'est limité en 1080p. Donc je pense qu'elle sera peut-être en meilleure qualité juste ensuite. J'avoue qu'il y a 2 ans, c'était le jeu qui me vendait le plus de rêves. Je m'imaginais déjà beaucoup jouer avec mes amis. Ensuite, bon, il y a eu les événements, le downgrade, alors qu'il passait de l'Unreal Engine 4 au 5. Et bizarrement, c'était un peu moins joli. Ensuite, il y a eu les problèmes, les reports et reports. Là, il devait sortir le 10 novembre, donc là, il le reporte au... C'était quoi, 1er décembre? C'est pas si loin que ça. Ça fait qu'ils ont quand même... Même si ça se trouve, il y a 2 ans, en fait, les premiers trailers qu'ils avaient montrés, ça se trouve, ils n'avaient même pas vraiment commencé le jeu. Si on peut dire si c'est un scam ou pas, je vais pas me prononcer là-dessus, j'en sais rien du tout. Mais en 2 ans, ils ont déjà quand même pu avancer un petit peu. On va se dire, c'est sûr que... Ça, je trouve qu'il y a l'énergie des premiers trailers, le premier trailer dans la ville avec les décorations de Noël qu'on voyait, le truc où ils étaient dans un ranch dans la campagne avec l'alarme, vous saviez, avec la voiture également qui roulait. Il y a des endroits qui sont jolis, mais je trouve que la magie un petit peu du début qui me donnait vraiment envie d'y jouer, j'ai quand même envie d'y croire encore. Je sais, c'est bête,
Il m'a tellement fait rêver, mais là, on pourrait faire des comparatifs juste là. Celle-là, c'est vraiment très très fade esthétiquement. C'est très fade, vue première personne, troisième personne, le coup de devoir explorer le monde, aller dans le hub, le vendre contre des équipements, acheter sa Lamborghini, se promener plus vite dans les environnements, affronter des zombies, ouais. Bon, on verra, hein, 1er décembre, s'il le reporte ou pas. Là, ça fait peut-être un petit peu plus réel le jeu que ce qui avait été montré avant. Mais ouais, il suffit de comparer cet endroit-là qui ressemble au centre commercial qu'on avait dans les premiers trailers. C'est quand même bien différent. Ça reste sympa. S'ils nous avaient montré ça les premières fois, je pense que ça nous aurait vendu moins de rêves, mais ça aurait été plus réaliste. Peut-être. Maintenant, ça sera à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'avais hâte de voir... Normalement, il va peut-être revenir sur Steam, vu qu'ils ont gagné apparemment leur procès, parce qu'en fait, The Day Before, c'était un nom qui était déjà pris par une autre société. Ils sont partis en procès ou je sais plus quoi, donc de ce que j'ai compris, ils ont gagné ou ils ont peut-être payé justement les droits. Ouais, le truc des spas, mais là, c'est un peu ridicule. Le mec, il soulève des poids, il est... Encore quand il court, je veux bien, avec leur tenue, les poids pour s'entraîner, peut-être. Mais pousser le truc avec le casque, mais ça, le coup des voitures... C'est bizarre, ça fait même pas de traces au sol quand il dérape et tout. Mince, je suis trop remonté en arrière. Mince, je suis trop remonté en arrière, attendez 2 secondes. Ouais, c'est pas... On en était où? On l'a en meilleure qualité maintenant. On va pouvoir voir un petit peu plus, parce que vu que je le regardais en direct... ah oui, c'est moi qui avais activé les sous-titres. J'avais même pas fait exprès. On va se le re-regarder, ça dure que 3 minutes, mais on va regarder un petit peu plus les détails visuels. En tout cas, ça a l'air quand même assez varié et assez grand, mais c'est l'idée de la campagne. Des passages de campagne que je trouve plus jolis que le reste de la ville, pour voir si c'est vraiment un monde ouvert ou si ça sera peut-être, ça se trouve, le côté campagne, ils vont peut-être nous arnaquer un petit peu, ça sera juste un endroit façon, comment il s'appelait ce jeu, Vigor, où ça sera juste une petite parcelle où on a notre maison, on est safe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible que ça soit le cas. Même les persos, ils sont quand même bien moins charismatiques et détaillés que le tout premier trailer où on voyait les mecs qui parlaient avec le chat vocal du jeu. Ça a quand même rien à voir. Même là, je suis sûr que on met The Division premier du nom. Mais là, c'est pas moche, mais ça, c'est plus... 1er décembre, c'est repoussé un petit peu, on verra, c'est dans pas long, on est le combien? On est le 1er novembre. Il pollue, il balance son truc, normal. En tout cas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Vraiment. Et si vous voulez peut-être l'acheter moins cher, il sera peut-être sur un stand gaming. C'est le moment pub. Le lien est en description si vous voulez acheter ou précommander des jeux. Juste les zombies, comment ils tombent? Parce que c'était un des trucs dans les premiers trailers. Peu importe où on lui tirait, ils tombaient un peu pareil, tous de la même façon. Pas le premier trailer, le deuxième ou le troisième. Ouais, gilet pare-balles, sac à dos. Armor piercing, weapons, protective equipment, backpacks, food, drinks, and medicines. Spa access to relax. Là où les premières fois je me suis fait « Oula, le jeu est vraiment bizarre », c'était quand il y a eu le trailer, où c'était il y a 2 ans, peut-être un an, où ils étaient dans le spa et tout, les modèles 3D, ils étaient vraiment étranges. Mais rien que ça, c'est pas la première fois qu'on voit des sortes de Lamborghini. Il y a eu un trailer il y a 4-5 mois, c'était vraiment full Lamborghini. Mais d'accord, on dépense notre argent pour avoir ce genre de voiture, c'est cool. Mais est-ce que si on dépense moins d'argent, on peut avoir genre une Twingo? C'est juste un exemple de voiture. Est-ce qu'on sera obligé, si on veut une voiture, d'utiliser force? Ah bah non, vu qu'on... Dans les anciens trailers... Oui, mais maintenant, c'est les anciens trailers qui datent d'il y a 2 ans, on sait plus. Ça va être quelque chose, le 1er décembre, quand même. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on voit l'extérieur.
Oui, je sais, c'est bête, mais des fois, il y a des maisons, je vais citer Starfield. Ça me manquait quand je customisais ma maison d'être dans un intérieur et que les fenêtres ne me permettaient pas de voir l'extérieur. Donc, ouais. Donc, merci à tous et rendez-vous très rapidement pour de prochaines vidéos. Bien sûr, avant. Pourquoi je dis le 1er décembre ? C'est le 7 décembre. Ok, bon, j'ai intérêt d'être là. Merci et à bientôt. Ciao.